ça fait un moment qu'on assiste les événements de Chinese Business Club et on fait des rencontres fabuleuses. La Chine est très importante pour l'ESSEC. C'est un prioritaire stratégique. On est le grand école avec la population la plus importante des étudiants chinois. On a entre 400 et 500 l'année, qui devient ensuite les anciennes bien placées, le vice-président de la Chambre de commerce franco-chinois à Beijing, le vice-président du comité d'échange franco-chinois et de Rothschild. Aux diplomates que vous êtes, Confucius donne une devise superbe. Entre les quatre mers, tous les hommes sont frères. Je vous remercie de votre attention et je cède la parole à Monsieur l'ambassadeur de Chine. Ma vision franche à l'égard de la France, c'est l'amitié sincère. C'est une expression viscérale, je pense. C'est important d'avoir une plateforme où l'on peut parler ensemble des grands sujets. Aujourd'hui, l'ambassadeur de Chine en France nous a montré que, au fond, le sujet qui préoccupe la Chine, c'est la relation avec les États-Unis. Et je crois vraiment, personnellement, que ce qui va articuler les relations internationales, la gouvernance mondiale pour les 10 ans qui viennent, c'est la tension entre la Chine et les États-Unis. Nous devons bâtir une stratégie européenne pour faire en sorte que nous pesions le poids nécessaire. Je suis très content de venir prendre la parole au Chinese Business Club, qui est une institution très importante en France pour promouvoir les relations de coopération entre les deux pays. Votre institution regroupe plusieurs entreprises qui constituent, on peut dire, le pont de liaison entre les deux pays. Le potentiel de la coopération entre la Chine et la France, entre la Chine et l'Europe, est énorme. Il faut mettre en valeur ça. C'est dans l'intérêt non seulement de nos deux parties, mais de l'économie mondiale en général. Le lundi 3 février, notre invité d'honneur sera le candidat à la mairie de Paris, Benjamin Griveaux. Et le lundi 9 mars prochain, notre invité d'honneur sera Monica Bellucci. Elle a dit oui.